Conseil arcturien des énergies de novembre 2022. Nous sommes très heureux d'être ici avec vous tous et de vous parler des énergies de votre prochain mois de novembre. Ces énergies arrivent de tous les points de la galaxie, car votre famille galactique veut tellement amener l'humanité au bercail. Et pour ce faire, vous avez besoin de cette série de mises à niveau qui accompagne les énergies de novembre. Ces mises à niveau de vos sept chakras principaux vous donneront accès à une plus grande partie de votre corps de lumière. Ces mises à niveau vous prépareront à un contact extraterrestre complet avec les extraterrestres physiques que vous aurez à l'état de veille. Elles seront également des catalyseurs pour que vous preniez tous des initiatives, que vous entrepreniez les actions nécessaires pour commencer à vivre vos vies comme vous le souhaitez. C'est une autre pièce du puzzle pour un contact extraterrestre complet et ouvert. L'humanité doit se libérer de ses croyances limitatives, de l'esclavage auto-imposé, et vous devez être prêt à prendre une chance de vivre la vie que vous savez vouloir et mériter. Les énergies de novembre vous aideront parce qu'elles vous soutiendront et elles vous donneront les idées et les coups intuitifs, l'inspiration pour aller de l'avant de la manière dont vous le souhaitez depuis un certain temps. Le temps est venu, le temps est venu pour vous. Et alors que vous vous ouvrez à ces énergies, rappelez-vous qu'elles sont assez transformatrices et que vous ressentirez le besoin de faire des changements dans votre vie. Vous avez déjà tout cela en vous, mais les énergies de novembre vont activer ce qui est en vous pour faciliter les prochaines étapes de votre développement et évolution spirituelle. Et comme nous l'avons dit, vous êtes tellement soutenu pour entrer dans la communauté galactique. Vous êtes appelé à rejoindre ceux d'entre nous qui existent dans d'autres systèmes stellaires et il vous est demandé de vous élever pour rencontrer votre famille extraterrestre physique. C'est un moment merveilleux pour vous tous de prendre soin de vous détendre et de laisser entrer ces énergies. Et cela signifie bien sûr faire attention à ce que vous ressentez et à ce que vous portez en vous qui pourrait empêcher les énergies de circuler vers vous et à travers vous sans effort. Il y a donc toujours quelque chose à faire pour que vous vous ouvriez davantage et que vous soyez le vaisseau approprié pour les énergies qui sont en vous. Et la plupart d'entre vous savent quelles sont ces étapes. Vous savez ce que vous devez faire. Et avec un peu de chance, ceci sera le catalyseur pour vous amener à prendre ces mesures. Prenez soin de vous-même. Vous montrera également à la communauté des extraterrestres, là-bas dans le monde physique, que vous opérez à partir de ce niveau supérieur de conscience. Nous sommes impatients de voir comment vous absorbez ces énergies de novembre et ce que vous en faites. Nous sommes le Conseil arcturien et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Merci de partager au plus grand nombre.